Là, par exemple, cette culture-là, donc il faut 3 billes d'eau. Alors, j'expliquerai après bleu et rouge. Hein. Et elle va vous coûter 3 unités monétaires. On va appeler ça des WAG. Ça s'appelle des WAG. Alors, c'est un jeu qui a été développé par un centre de recherche autour de la question de la gestion de l'eau dans une rivière. Bon. Donc, vous devrez payer pour la culture. Et là, ce qui est en dessous, c'est d'abord ce que ça vous rapporte. Si la culture, vous arrivez à avoir assez d'eau, c'est ce que ça va vous rapporter à la fin du tour, hein, que tout le monde aura joué. Donc, on viendra, on vous distribuera vos gains, si vous voulez. Donc, celle-là, par exemple, elle vous coûte 3 pour la faire. Elle vous rapporte 4 si vous avez eu assez d'eau. Et ça, c'est l'eau que vous rejetez dans la rivière. Vas-y, tu mets quoi, Flo ? Non, j'en sors rien. Tu choisis tes cultures et après, on va voir. Ah, pas, oui, tu peux réfléchir à ça, oui, bien sûr. On prend quoi en fait ? On prend au pif ? Thomas ? Oui, ne vous posez pas de questions là-dessus. Choisissez. Et tu mets quoi, toi, Thomas ? Ah, je mets quoi ? Je sais pas, je mets ça. Ça va tranquille. Et Stéphane, t'as choisi quoi ? Alors, t'as vu, on a pris le truc qui pollue, t'as vu ? Ouais, c'est ça, ouais. Que t'as vu, c'est un bon choix pour nous. Choisir. Ouais, 3. Mais pas grave, c'est bien. C'est bon, vous avez choisi vos cultures, vous avez rempli vos fiches ? Ouais. Non, on va prendre. Je fais ce côté-là, tu fais ce côté-là. Donc vous allez nous payer pour les cultures que vous avez. 2, 4, 5, 7. Ah, ils comptent tout, hein, ils font pas confiance. C'est les impôts. C'est pas ça, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Antonio ? J'ai perdu. Alors, j'ai passé dessus, là, j'avais plus que 3. Pourquoi t'as utilisé 7 Ouais, c'est elle qui les a utilisés, c'est pas moi. Ah, tu jouais avec qui, en fait ? Ouais, je pleure. Vous êtes en équipe tous les deux ? Ouais. J'espère qu'il va pleuvoir. Tiens, ici, dis-moi comment on gagne. Hein. S'il vous plaît, je sais même pas comment on gagne. S'il vous plaît. Donc bien sûr, je précise. Hein. Et vous reprenez une poignée. D'accord ? Tant que l'eau est à votre niveau. Vas-y, Colin. Okay. Prends une poignée. Bah, disposez-les sur les fiches. Hein. Il faut que ce soit sur les fiches. Voilà. On ne peut pas faire un poker. 3. Ok. Donc, ça avance, donc maintenant c'est vous deux qui allez prendre. Alors, faites-moi passer un petit verre avec le orange. Et les bleus. Pendant ce temps-là, vous préparez vos rejets, c'est-à-dire vous regardez les rejets. Hein. Monte, combien de rouges ? Non. Vas-y, prends. Hein. Non. Les rejets sont. Alors là, par contre, je dois prendre 3 billes. Prends 7 oranges et une bleue que je vais te donner. Ah, pour voir de la pute. Hey, Colin, t'as pioché quoi ? On va pas dire à mettre. Rien, j'ai pioché pas d'événement. Ils vont me ruiner là. Et toi Thomas, t'as tiré quoi ? Je crois que. De quoi j'ai tiré ? T'as pas tiré une carte ? Ah oui, mais. Il est intimidé quoi. Attends. Oh, on gagne un WAG, on gagne un WAG. Oh, nous on a gagné un WAG, mec, on est trop fort, tu sais. Ça gère, mec. 30 unités d'eau. Allez, je vous explique que maintenant. Alors attends, on va faire le bilan. D'accord. Alors, d'abord, quelles sont les cultures
cultures qui n'ont pas pu être produites. Donc vous retournez. Les cultures qui n'ont pas pu être produites, vous les retournez. Celle qui est retournée une deuxième fois, perdue. Sur toutes. C'est sûr. Il y en a retenu 5, d'accord. Donc vous aviez combien à votre disposition? 35. Il vous reste combien? Il y a combien en vous? Combien vous avez consommé? Ah oui, c'est pour 25.11. Ok. L'eau arrive dans le barrage et l'État décide, il recharge les 5 supplémentaires pour qu'il y ait les 15 dans le barrage. Ah oui, c'est normal. Hein. Moi, je crois que je fais tous les sages. Bon, et il décide, une fois qu'il a rempli, donc il décide de relarguer 5. Si. Il remplit et il décide de lâcher 5 derrière. Donc quel est le rapport entre ce qu'on a fait là, ce que disait la séance, et la question du développement durable? C'est la main. Le rapport par rapport à l'eau premier et l'eau dans les rivières. La pollution. La pollution par rapport à l'agriculture. Problème de pollution. Pourquoi la pollution de l'eau, ça a à voir avec le développement durable? Parce que l'eau, ça permet d'avoir. On peut la renouveler, l'eau, si elle est propre. Ça tombe ensemble, enfin, ça. Si elle est sale, tu la. La rivière, tu les boissons. Alors. L'eau vous dit que ça permet. Alors ça permet quoi? Baptiste me dit, Baptiste me dit, faire vivre les poissons. Je dis rien moi. Ça permet quoi à l'eau d'abord? Le boire. D'arroser. Mélanger. D'arroser. Oui, bah là, qu'est-ce que vous avez fait? L'irrigation, ça sert à quoi non? À irriguer. Vous étiez quoi, vous, ce matin? Cultiver. Paysan. D'accord, donc avec l'eau, vous pouvez cultiver. Cultiver. Produire. Est-ce que vous voyez, l'eau, ça peut servir à quoi? Alors globalement, il y a une augmentation. Ça veut dire quoi ça? Si vous arrivez à augmenter votre richesse, qu'est-ce qu'on peut dire de cette ressource? Elle est rentable. Elle est rentable. Autour de cette idée, qu'est-ce que vous pouvez dire sans utiliser le terme rentable? Vous avez assez de ressources pour pouvoir développer. Et vous avez développé quoi? Développé l'agriculture, ouais. Vous avez augmenté votre richesse. D'accord? Alors, quel est le lien avec le développement durable? Est-ce que c'est une question importante, ça, à votre avis, de la question du développement durable, la question de la richesse? Parce que l'agriculture, on a besoin de beaucoup d'eau. Et il n'y a pas que l'agriculture qui a besoin d'eau, donc il faut gérer un peu. Oui, mais ça, ce n'est pas la question que je pose. On a fait le constat que vous aviez pu augmenter la richesse individuellement, alors plus ou moins, hein, on va bien, et collectivement, c'est-à-dire si on prend la richesse du territoire au début, c'était 80, une fois 10, 80. Et là, si on fait la somme, c'est bien au-delà, d'accord? Donc on peut dire que la région est devenue plus riche. Donc quelqu'un a dit, ben, c'est en fait. S'il n'y avait pas d'eau, est-ce que ça aurait été le cas? S'il n'y avait pas eu d'eau? Non. Le volet économique, vous l'avez? Oui, vous l'avez par rapport aux revenus, d'accord? Donc on voit qu'en faisant attention, on peut quand même gagner de l'argent, gagner sa vie, mais peut-être moins. Et le volet social, est-ce que vous l'avez là?
d'un point de vue social, oui. Quelle a été l'évolution sur ce territoire? Une inégalité. Une croissance. Des inégalités. Des inégalités. Alors, des inégalités. Ça, c'est effectivement, c'est un premier. On voit bien.